c'est drôle parce que j'ai une histoire étrangement liée à ça, c'est qu'au secondaire, vers la fin du secondaire, j'étais ami avec une fille qui avait une sœur jumelle. Et par un set de circonstances particulières, justement, la sœur, une des sœurs avait doublé son année, puis l'autre non. Fait que il y en a une qui était au cégep, puis l'autre a refait son secondaire à 5. Puis là, moi, je la connaissais, cette fille-là. Puis après un bout, j'avais développé comme... La plus vieille ou la plus jeune? Ça fait pas ben, il y avait vraiment la même âge. Non, je veux dire, c'est la plus avancée ou la plus stupide? C'est la plus avancée ou la... Okay, ben, j'étais au secondaire, fait que j'étais pas avec celle qui était au cégep. Ben, j'étais même pas avec cette fille-là, point final. Mais j'avais un kick sur elle. Puis justement, une affaire, c'est qu'après un bout, vu que je la connaissais vraiment bien, puis j'avais comme un kick sur elle, quand je la voyais avec sa jumelle, même si elle était très identique, je pouvais les différencier. Mais une affaire qui est étrange, c'est que, bon, pendant un bout, c'est ça, j'avais un kick sur elle, et puis quand j'ai été au Cégep Montréal, ben là, tu sais, je la voyais plus, puis tu sais, c'était à l'époque où que, tu sais, pas tout le monde avait des emails, là, genre, si t'avais un email, c'était comme un gros nerd techno comme moi, là, mais autrement, tu sais, tu pouvais juste communiquer avec le monde par téléphone ou par lettre. Te rappelles-tu de cette époque-là, ça a pas d'allure. C'est en 98. C'est soit ça ou soit dans Animal Crossing, que le monde écrit des lettres pour parler, là, c'est tout, là. Ouais, il y a juste dans Animal Crossing maintenant que le monde s'écrive encore des lettres fréquemment, là. Soit ça ou Downton Abbey, là, c'est vraiment, écrivent des lettres. Mais j'avais encore un kick sur cette fille-là, même si elle était loin là-bas en Abitibi. Cependant, j'allais au cégep Marie-Victorin à Montréal-Nord où sa sœur jumelle allait. Fait que je la voyais fréquemment et je n'étais pas sans me rappeler de cette fille-là souvent. Puis c'était comme voir un fantôme. C'était comme voir un fantôme vivant. Mais t'es-tu sexuel? Hein? T'es-tu pour sa plus vieille? Non, parce qu'un, elle avait un job, mais bref, quand je la voyais... Elle avait clairement pas la même réaction envers moi, t'sais, aucune proximité ou rien de chaleureux envers moi. T'sais, elle me reconnaissait parce que j'étais comme l'ami de sa sœur, mais autrement elle était comme ah hey, salut. Puis c'est comme si pendant un temps c'est comme si je voyais mon ancienne amie, mais qu'elle se souvenait pas vraiment de moi ou quelque chose de même. C'était très étrange. Je la voyais comme une fois par semaine quand j'allais à un cours en particulier. C'était Eternal Sunshine de votre spotlet à Abitibi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est elle qui s'était fait Eternal Sunshine, là. Et puis, en tout cas, bref. C'était une affaire vraiment particulière jusqu'à ce que je la revoie un soir où ce qu'elle était très désagréable à mon égard. Et après ça... Ça a été fini. J'ai plus jamais repensé à elle, excepté quand je pense à cette histoire-là. Tu veux qu'on ait histoire-là? Est-ce que c'est drôle ou c'est juste comme triste? Puis, C'est drôle et c'est triste en même temps. Car, justement, j'avais encore un kick sur ce fait-là depuis très long, depuis un bon bout, tu sais. Puis, j'étais un jeune homme gêné. Je rencontrais pas nécessairement beaucoup de dames à Montréal. Au cégep Marie-Victorin, où la population féminine était off the charts, qu'il y avait comme... plus que le trois quarts de la population du cégep, c'est des dames. Fait que le fait que je rencontre pas de dames, ça parle des déficiences que j'avais à l'époque, là. C'est vrai, il y a plein de programmes de filles, en plus, à Marie-Victorin, genre design de mode, oui, tout oui. Ça. Le pavillon de mode, c'était comme une île amazonienne, là. C'était toutes des filles super belles pis glamour, mais bref. On allait utiliser leur photocopieuse, des fois. Parce qu'il y a plusieurs photocopieuses de par le campus, là. Bref. Hashtag photocopieuse tidbits. Et puis, là, c'est ça, puis elle allait être en ville. C'est la jumelle sur qui j'avais un kick, elle allait être en ville à Montréal, parce qu'elle était restée en Abitibi, puis elle visitait sa sœur. Et puis, était là, et puis, je disais, hey, ce serait le fun qu'on se voit, vu que ça fait très longtemps que je t'ai pas vu, puis j'ai encore un kick. Je disais pas ça, mais tu sais, c'était comme entendu. Fait que là, je vais chez sa sœur pour la visiter, c'était un mercredi soir. Je vais la voir, puis là, son chum est là. Je savais pas qu'elle avait un chum, fait que je découvre qu'elle a un chum sur comme ce soir-là. Et puis, je passe la soirée chez la sœur, qui je la connais de vue, puis pas plus que ça, puis son chum est comme ben garec. La fille qui a un gang dessus, puis son chum, qui était comme une version lettre de Claude Meunier, là. Tu sais, je sais pas un prix non plus, mais à l'époque, je pouvais dire objectivement, non. Paraît mieux que ce gars-là, pis c'était Rough Times à l'époque. Fait que là, il y a tout ça. Fait que là, on prend une soirée ensemble, pis le gars, il arrêtait pas de dropper le fait qu'il faisait soit du karaté ou du judo. Fait que bref, en me regardant vraiment dans le sens de je pourrais te crisser une volée si je voulais, là. T'sais, une soirée entière de ça. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon coloc. De là-bas? De là-bas, parce que j'avais pas...
Tu viens du futur, c'est un cellulaire à cette époque-là. Là. C'est, soit ça, ou fallait que t'aies une condition médicale vraiment spéciale, comme faut tout le temps j'ai un téléphone sur moi pour appeler, là, tout d'un coup que j'ai une crise. Tout d'un coup que il se libère un nouveau rein, puis que ça faut t'aider. Ouais, c'est comme faut que je sois on the go, là, tu sais. Puis même là, t'aurais une page à l'époque, t'aurais pas un cellulaire. Puis là, j'appelle mon coloc, puis là, il me dit, ah, ça va-tu? Puis là, il me dit, ouais, c'était correct. Puis là, je suis comme, ah, ouais, ah, non. Fait que là, je commence à faire semblant qu'on, on avait déjà eu des problèmes, comme, de tuyaux avec notre laveuse à la maison. Fait que là, j'ai dit, oh, il y a un problème avec la laveuse à la maison. Fait que, je retourne à l'appartement avec là, tu sais, je quitte cette soirée là qui était vraiment horrible, tu sais, comme j'ai fait un exemple. J'en viens chez nous. Pis là, j'ai dit bon ben tu sais, faut que je lise un chapitre d'un livre pour demain. Puis je me rappelle, il me restait de la bière, fait que j'avais amené là-bas, tu sais, j'ai ramené ma bière en plus, tu sais. Ce serait comme c'est small time de faire ça à 33 ans. Mais à cette époque-là, c'était tu le faisais. Puis là, je finis la bière, je lis un chapitre d'un livre dans mon lit, puis là je suis comme ouais, c'est vraiment le pire 18e anniversaire que quelqu'un pourrait avoir. C'était ta fête. C'était ma fête en plus, man. Tout ça, là, pis c'était ma fête en plus. Imagine ça au début de la soirée, je suis comme, hey, c'est ma fête, pis je vous raconte à cette fille-là que j'avais un kick dessus, et tout est permis de rêver. Mais c'est la pire fête! C'est le pire 18 ans, en devenu plus! Devenu un homme pour vrai, hein. Devenu un homme émotionnellement, ce soir-là. Mais c'est quoi la...